Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver encore une fois pour découvrir un nouveau jeu. Ce nouveau jeu s'appelle World War II. Beaucoup vont dire que c'est un jeu copie Clash Royale. Pas du tout! Oui, il y a un système de cartes. Oui, c'est des cartes que tu poses sur un terrain, mais le fonctionnement n'est pas du tout pareil! Mais ce jeu, pour moi, est une amélioration de Clash Royale. Alors, pour ceux qui aiment bien Clash Royale, je vais pas vous dire que c'est mieux que Clash Royale. Mais pour moi, qui est pratiquement pas un joueur Clash Royale, je me dis, c'est le moyen de peut-être apprendre à jouer à ce genre de jeu. Et donc, du coup, c'est une autre mécanique. Surtout, les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à t'abonner si tu veux plus de vidéos sur World War Boo. Voilà. Ok, donc nous voilà directement dans l'interface du jeu. Et comme vous pouvez le constater, l'écran est à la verticale et non à l'horizontale, bien sûr. Alors là, bien sûr, je suis obligé d'aller chercher des offres. C'est gratuit. Allez, on ouvre. Ok, 4 diamants. Allez, je vais faire la vidéo, comme ça je récupère le coffre et je vous retrouve juste après la vidéo gratuite. Enfin, le coffre gratuit avec une vidéo. Allez, à tout. Ok, les potes, c'est bon. J'ai fini la vidéo, j'ai le coffre et j'ai que un seul objet dedans. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Ok, des diamants. Ok, des diamants. Allez, on revient à là où est-ce qu'on était au début. Comme vous pouvez le constater, en haut à gauche, il y a les XP. En haut, au milieu, il y a l'or. Et en haut à droite, il y a les diamants. Bon, ça, c'est commun à tous les jeux. Là, vous avez mon profil. Il y a énormément de trucs à expliquer sur ce jeu-là. Je le connais pas encore réellement. Donc, pourquoi pas faire une vidéo découverte aujourd'hui. Et puis, si je vois que ça vous plaît, on ira approfondir dans les profondeurs de ce jeu. Hein. Parce que là, j'ai pas envie de vous dire, voilà, là, vous voyez une tour de soin. La tour de soin, ça vous donne du heal. Vous comprendrez après. Et la tour de rage, vous aide à attaquer l'ennemi. Vous comprendrez après. Il y a un sergent. Le sergent, vous pouvez l'améliorer parce que le sergent, très très important, il va attaquer avec vous. Enfin, c'est vous qui allez le commander. Donc, du coup, voilà, là, vous avez mes stats. On va pas dire des trophées, on va dire des points d'or. Donc voilà, et puis là vous voyez mon deck. Voilà, c'est un deck qu'on dirait beaucoup Clash Royale, je le sais. Mais bon, il y a énormément de cartes pour un jeu qui vient de sortir. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est un jeu qui m'a l'air comme beaucoup de jeux complets. Et ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, c'est un système de ressources, c'est-à-dire que vous avez une barre de ressources et une fois que vous avez atteint ce nombre de barres pour pouvoir jouer une carte, vous pouvez la déposer. Tout à droite, bon ça je l'ai pas encore, faut minimum 200 points de puissance pour aller accéder à l'événement. Je les ai pas encore, donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, bien sûr encore aussi. Et puis il y a aussi l'histoire des clubs, et non des clans, ça s'appelle des clubs dans ce jeu. J'en ai encore rejoint aucun, est-ce que c'est le moyen de le faire? Peut-être. J'aimerais bien ouvrir le mien, donc je me dis que pour l'instant, je vais pas en rejoindre. Je vais peut-être en créer un. Et on verra peut-être à la prochaine vidéo. Ou peut-être en fin de vidéo. Hein, peut-être qu'à la fin de vidéo, toi comme tu peux le voir, j'ai assez d'or pour créer un clan. Donc voilà les potes. Alors moi pour l'instant j'ai que ce deck là. Je m'étais fait un autre deck de base. C'était celui-ci. Il y a une seule carte qui change, c'est celle-là. En gros, j'ai mis celle-là. C'est une carte que j'ai débloquée. Et qui m'a l'air assez forte. Donc du coup d'ailleurs je vais en profiter pour l'améliorer. Parfait. Plus de points de santé. Et donc voilà, allez, on part directement faire un gameplay, comme ça vous allez directement comprendre que ce n'est pas une copie crachée de Clash Royale. C'est un frère jumeau, mais c'est pas une copie. Ok, donc les potes, on part directement faire notre premier combat, comme ça vous allez tout de suite comprendre la mécanique de ce jeu. Donc là, je suis contre Stéphane Pri. Ok, donc là, au milieu, vous avez mon colonel. Voilà, en bas, vous avez les cartes qui apparaissent. Je peux déplacer mon colonel, bien sûr. Donc là, ce que je cherche, je vais déposer ça là. Je vais aller chercher le coffre. Très, 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 très important. Allez, prendre le coffre. Hop, je remonte. Non, non. C'est bon. C'est bon. On va mettre les abeilles. Par contre, il est en train de craft. Non, il est en train de prendre. Il est en train de prendre les énergies au milieu. En fait, si vous voyez au milieu, ça veut dire qu'il va avoir plus d'énergie que moi en peu de temps. Ok, donc là, voilà, je me redonne du soin. Ok, donc là ils ont tué mon monstre, c'est pas grave. On te retourne là-dedans, là. Retourne te protéger. Allez, je vais déposer ma carte. Donc voilà, vous pouvez déplacer votre colonel et également attaquer avec lui. Hein. Par contre là, ça pue l'eau aussi. Parfait. Dès que je peux, je dépose celle-ci. Voilà.
Aïe 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 aïe. Non 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 non. Aïe. C'est bon. Ouf. Ma tour de heal là c'était moins une. Hein. Ok donc là il est givré. Par contre son sergent il a plus d'XP que moi. Allez 3, 2, 1. Ok. Plus que 60 secondes. Voilà, je suis protégé normalement. Là, je le suis plus maintenant. Allez, je vais redéposer un géant. Donc voilà, faut tuer le sergent adverse, mais là, c'est pas le cas. Ok. Allez, allez, faut que je fasse un maximum de dégâts. Ah, y a pas de match à mort, c'est match nul directement. Ok, donc égalité. Bon, bah pour une première partie, égalité, c'est comment, hein, ça se passe comment? Bah non, du coup, je vais pas pouvoir prendre le coffre parce que je suis full. Donc oui, malheureusement, je vais devoir jeter le coffre, pas le récupérer. Je vais ouvrir celui-ci. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ok, de l'or, rien de bien spécial. Allez, je vais me lancer un coffre 2-3 heures. Alors, là, je vois que c'était assez compliqué, donc je vais re-augmenter mes cartes. Je vais en profiter pour les augmenter. Jackie Tuning, il a augmenté également. Ouais, je rajoute Jackie Tuning pour moi, puisqu'il a les têtes de Jackie Tuning. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de rejouer avec ces cartes-là. Je vais les améliorer, encore une fois. Ah ouais, donc si je peux encore les améliorer, c'est-à-dire qu'ils vont être forts par rapport à mon niveau. Ok, donc là, je passe niveau 2 supérieur. Parfait. J'ai plus de vie, plus de dégâts. Plus de dégâts à la seconde. Ok, bah mes tourelles également, elles augmentent. Parfait. Je réaméliore encore une fois cette carte. Allez, je vais comme ça, je vais pouvoir la mettre. Je vais la mettre à la place des abeilles. Allez, c'est parti. On part directement pour ce deuxième combat. Ah, en espérant que cette fois-ci, je fasse au moins une victoire. Let's go! Allez, faut que je me concentre un peu. Parfait. Déjà, j'arrive. Oh non, je me suis trompé. J'ai posé ma carte ici, j'aurais pas dû... Bon, c'est pas grave. Non, non, faut pas qu'il détruise ma tourelle, non! Ah, ça me saoule! C'est pas ce que je voulais faire. Allez. C'est bon. J'ai mon géant là qui va aller attaquer. Et maintenant, je vais l'accompagner avec toutes mes cartes. On va la jouer comme ça. Comme avec les géants de Clash Royale, hein, tout simplement. Mais moi, je vais m'y mettre. Non, c'est pas mon délire. Je peux faire demi-tour. Ouais, c'est pas grave, je vais faire la tourelle. Normalement, on sera égalité. Allez, 40 secondes. Je fais n'importe quoi. Moi, je suis en train de mourir et là, je... Non, 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 faut que je remonte. Il me faut cette tourelle absolument. Il me la faut, là. Bah mais il me la faut, mais il faut pas que je meure non plus. Non, c'est dégueulasse. Bon. Ok. Ok. Oh. Oh. Oh, je l'ai eu. Ah, il a voulu avoir ma deuxième tourelle. Allez, on remplit la tirelire et la tirelire, bien sûr, explose dès que vous avez 5 sur 5 de récompense, si j'ai bien compris. Ok, donc voilà les potes, j'espère que ce jeu va vous plaire, pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes. On va récupérer celle-ci, commandant, alright. J'espère que c'est un jeu qui va vous plaire. Bon, pour les fans de Clash Royale, voilà, je sens directement venir les commentaires. Ouais, c'est une copie de Clash Royale, Non, ce n'est pas une copie. Ils ont pris l'idée de carte, mais pour moi, la mécanique de jeu n'est pas pareille. Faut pas attaquer les tours principalement pour ensuite attaquer une tour principale. Il faut attaquer les tourelles parce que les tourelles apportent soit de la vie, soit améliorent les dégâts à faire, enfin, la puissance de ton colonel. Donc pour moi, si tu détruis, tu peux très bien gagner sans détruire les tourelles, mais si tu détruis les tourelles, ça te ramène plus de chances de gagner. Voilà, bon, bien sûr, ça fonctionne sur les étoiles de 3 étoiles dès que vous avez les deux tourelles plus le colonel, mais bon,
Voilà, il y a quelques petites copies, mais pour moi, ce n'est pas une copie à 100%. Ils ont su réadapter ce type de jeu. Donc pour moi, c'est validé et je lui donnerai une note, allez, de 7 sur 10. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Je le dirai peut-être plus tard. Ok? Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à me lâcher un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très 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 vite sur de nouvelles vidéos sur World Weird Doo. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Petit Rag. Allez, wouh! Bye bye!